Tourisme. Setamada se mobilise. La population de baleines est estimée à 200 000 individus il y a un siècle de cela. Actuellement, il n'en reste plus que 60 000. Les baleines passent l'hiver austral autour des côtes malgaches. Plus d'une trentaine d'espèces de cétacés ont été identifiées dans le sud-ouest de l'océan Indien, où figure l'île de Sainte-Marie. Une aubaine pour le pays, étant donné que la présence des baleines constitue une attraction touristique considérable. Afin justement de promouvoir le secteur, Setamada, en collaboration avec l'Office national du tourisme de Madagascar, entre autres, organise le Festival des baleines du 4 au 12 juillet 2015 sur l'île de Sainte-Marie. L'événement a été lancé en grande pompe ce matin à l'hôtel Ibis d'Ankurjanu. Sainte-Marie, c'est un cœur. Un cœur, c'est le centre du cœur situé dans cet espace important composé des îles Vanille et de l'Est de l'Afrique. On oublie toujours l'Est de l'Afrique, on oublie toujours qu'on en fait partie. Et ce n'est pas nous qui décidons, c'est les baleines qui décident, puisqu'elles viennent dans cette zone-là, on les retrouve partout. Setamada entend marquer d'une pierre blanche cet événement qui a pour parrain le célèbre animateur télévisé Julien Lepers. Il a manifesté un réel engagement dans la protection de ces mammifères marins. Je ne pense pas du tout ça, je n'aime pas beaucoup ça d'ailleurs. C'est exactement le contraire. Le pays est très riche. Madagascar est très riche. Je pense exactement le contraire. C'est le coffre-fort mondial de la faune et de la flore. Et vous avez un trésor. Et le trésor, ce sont tout ce que je viens de dire, bien sûr, faune et flore, et dont ces baleines, le développement des baleines à bosse. Donc simplement, il faut le faire savoir. On a le savoir-faire, il faut le faire savoir. Un large panel de programmes va caractériser cet événement, dont des défilés, des expositions, des concerts, des jeux et autres activités ludiques qui requièrent bien évidemment l'implication de la population locale. Le Festival des baleines 2015 touche non seulement le secteur du tourisme, mais également l'environnement, la recherche scientifique ainsi que le développement économique.